שיר למעלות ישעינה ילערים מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. פשוט תורה ורבותיי, לקראת פרמיסיון דה הקדוש ברוך הוא, לפרמיסיון דיבור רבן רב תורג'מן, רב הקהילה, סוכות התורה, ידידי לנשמת, עמרם בן דינה בן חמו, דיה בת מסת פורטוגי, ג'איס בן סעוד הלוי, דבורה בת דניאל, מסעוד בן פחימה, אסי ז'קלין ברוק, יעקב רחום, מימון עמאר, שמעון ועזיז, דוד בן שמחה בטיטו, חביבה בת זוהרה, עמרם בן דינה בן חמו, יונתן בן יוסף וג'מילה, יוסף בן ניסים פרג'ון, יוסף בן אסטריה, עודה לילה דקסלר, והשם רופוס דור עמובי. Nous sommes à quelques jours de la fête de Hanouka. Et la fête de Hanouka, c'est une fête, on l'appelle la fête de la lumière, la fête du miracle, la fête que chacun de nous sait, si on remonte l'histoire, lorsque les Grecs, ils ont créé une crise à cette époque, la crise spirituelle. Il faut toujours savoir que lorsqu'on parle de la crise, tout d'abord il faut essayer de comprendre au point de vue judaïsme, c'est quoi la crise. Beaucoup de fois on parle de la crise, mais au point de vue judaïsme, la Torah, c'est quoi la crise? Est-ce que la crise, elle a un sens? Est-ce que c'est quelque chose qui nous rappelle quelque chose? Est-ce qu'il y a une fin à une crise? Est-ce qu'elle doit nous rappeler quelque chose? Et à quoi sert-elle? Et c'est quoi les leçons qu'on apprend d'une crise? Mais en Bretagne, vous savez, il y a beaucoup de catégories de crises. Il y a des crises personnelles, il y a des gens qui ont leurs propres problèmes, et ils passent une crise. Il y a aussi la crise de la maison, lorsque ça ne va pas à la maison. C'est une crise. Il y a une crise collective, il y a une crise internationale, il y a une crise générale et une crise spirituelle. Et bien, la crise qu'ils ont voulu créer, qu'ils ont créé plutôt les Grecs en Israël, c'est plutôt une crise spirituelle. C'est-à-dire que ils ont laissé faire ce qu'ils veulent, ils ont pas ruiné de leur argent, mais par contre, ils les ont mis à bout, à plat au niveau religieux. Ça veut dire ils leur ont interdit de respecter la pureté familiale, de porter les tchilines, de respecter Shabbat, de faire la brit mila, toutes les mitzvot qu'on pouvait imaginer, ils l'auront interdit. Donc c'est une crise générale. À tel point qu'à un moment donné, le judaïsme a perdu ses repères. Il a perdu tout, presque il a perdu même son identité. Et s'il n'y avait pas l'aide d'Hachem, s'il n'y avait pas Kadosh Baruch Hu qui a aidé les juifs, à cette époque-là, eh bien, le peuple juif l'aurait été complètement assimilé. Et d'ailleurs, ceux qu'ils ont voulu respecter, ils ont été massacrés. Et ceux que, pour rester vivants, donc devant tout le monde, devant les Grecs, ils ont fait, soi-disant, qui suivent leur culture, mais en cachette, ils faisaient leur religion. Mais étant donné que les Grecs, ils avaient des détectives privés pour détecter, pour arrêter tous ceux qui respectaient leur religion, ben ils ont été massacrés. Mes amis, avant que je commence à aborder ce sujet, il faut déjà on essayer de comprendre un peu ce que la paracha de la semaine dernière. Il voudrait bien que nous tous, on va être d'accord sur un but, sur un sujet, qu'il est un peu précis. Nos sages, ils disent que Yaakov Abinu Alav Shalom, lorsqu'il est parti pour trouver une femme pour se marier,
Nos sages disent que Yaakov Abino, il a été agressé, attaqué au plein chemin, au plein route, par son neveu Eliphaz. Il a pris tout l'argent qu'il avait. Yaakov Abino, ce n'était pas un monsieur qui était matériel. Il ne voulait pas. Il dit à son neveu, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? Voilà, prends l'argent et lâche-moi. Yaakov Abino, alors Vachalom, il aurait pu le combattre s'il voulait. Mais il n'a pas voulu. Tu veux de l'argent? Tiens l'argent, prends l'argent et m'attends. Yaakov Abino, il arrive à Haran, chez son beau-père. Et voilà, Yaakov Abino, alors Vachalom, il a passé la plus grande crise de sa vie. Laquelle? Il arrive chez son beau-père, c'est Laban, il n'est pas comme son beau-père. Il voit Rachel, il tombe amoureux de Rachel, elle lui plaît. Et il veut la demander au mariage, mais il est pauvre, il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son beau-père, son futur beau-père Laban, il lui dit, dis-moi, je voudrais bien travailler chez toi un laps de temps et donne-moi ta fille. Il lui dit, bon d'accord, tu travailles chez moi 7 ans et je donne ma fille. Sur ce, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à dire, mais je ne comprends pas Yaakov. Yaakov, il vient d'une famille très riche. Son père, c'est Yitzhak Avinu. C'est des gens milliardaires de l'époque. De l'époque, c'était les gens les plus riches de la planète de l'époque. Avraham Avinu, il a laissé à son fils Yitzhak une richesse colossale. Qu'il a hérité Yitzhak, et cet argent était là entre les mains de Yitzhak Avinu. Yaakov, maintenant, il va pour trouver une femme, il ne trouve pas de femme. Parce qu'il n'a pas d'argent. Mais voilà, il a trouvé une femme qui lui plaît vraiment. Et lui dit son beau-père, bon, tu travailles chez moi 7 ans. Je ne comprends pas. Pourquoi Yaakov Abino, il n'envoie pas des messagers à son père? Il écrit une lettre. Bon, il n'y avait pas à l'époque les télé, il n'y avait pas les portables, il n'y avait rien du tout. Mais il aurait pu prendre quelqu'un de la maison, ou lui-même, il aurait pu retourner encore une fois chez son père. Il dit à sa mère, maman, la fille Rachel, elle est super. Elle est tzadeket, elle est belle. Et je crois que ça va être la femme avec laquelle je vais construire ma vie. Mais maman, voilà, j'ai été agressé et j'ai besoin d'argent. Et sa mère va lui donner de l'argent. Oui, le problème. Oui, le problème. Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui travaille pour une fille 7 ans? Est-ce que ça existe? Dans l'histoire, on n'a jamais entendu quelqu'un qui va travailler, qui va faire l'esclave pendant 7 ans pour une femme. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il aurait pu quand même faire. Il y a des moyens. Il y a des moyens pour retourner chez ses parents ou bien pour avoir de l'argent. Il aurait pu même dire à son beau-père, bon, là-bas, tu sais quoi, tu mets dans ta fille, je la marie, accompagne-moi chez ma mère et je fais ce que tu veux. Alors pourquoi rester là-bas 30 ans? Ce qu'il est resté à quoi? 30 ans. Vous imaginez, d'où 14 ans, il a travaillé pour Rachel et Léa, 14 ans d'esclavage. Pardon, c'est 20 ans, et 6 ans pour faire un peu d'argent. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est quelque chose qui est un peu dur à comprendre. Écoutez mes amis, je laisse cette question de côté, on va essayer d'expliquer plus tard. Mais ce qui s'est passé, c'est que Yaakov Abino Alav Hashalom, il devient super riche. 20 ans plus tard. Et là, il retourne chez ses parents. Et dans le chemin, en allant chez ses parents, il devait traverser une rivière. Il a traversé la rivière et à un moment donné, il s'est rappelé, écoutez bien, il s'est rappelé qu'il a oublié quelques flacons de l'autre côté de la rivière. Et Yaakov, qui était multimilliardaire, il vient avec une richesse colossale et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne encore pour chercher ces deux flacons qui valaient quelques euros, même pas, rien du tout. Sans aucune valeur. Là aussi, on va essayer de comprendre. Est-ce qu'Yaakov Abino, il avait raison? Je ne sais pas moi. Combien de fois on oublie des choses dans le TGV, on les oublie. Beaucoup de fois on oublie un livre, pas un livre de Torah, je ne sais pas moi. Quelque chose qu'on oublie, une bouteille d'eau, je ne sais pas quoi, on la laisse. Beaucoup de fois on oublie même des choses qui sont un peu importantes. On ne va pas se casser la tête pour retourner. Mais je ne comprends pas. Deux petits pachim, deux petits flacons, je ne comprends pas. Quelle est la raison pour Yaakov? Donc nous avons deux questions. La première question, pourquoi Yaakov il ne retourne pas pour apporter de l'argent, pour les donner à son beau-père pour marier ses filles?
Ou bien il aurait pu dire à son père, viens avec moi, donne-moi tes filles, viens avec moi chez mes parents, chez nous, ce que tu veux. Ou bien il aurait pu envoyer des messagers pour chercher de l'argent chez sa mère, sans aucun problème. Non, il n'a pas fait cela. Et la deuxième, on va essayer de comprendre, une fois qu'il est devenu riche, est-ce qu'il est devenu tellement radin pour deux flacons, risquer sa vie, retourner de l'autre côté de la rivière pour deux flacons? C'est quoi ça? On ne comprend pas. Mes amis, vous savez très bien que, écoutez bien ce que je vais vous dire, et je veux bien que chacun, il essaye de vivre avec moi quelques moments. Vous savez, j'ai toujours expliqué que toujours lorsque je veux voir les choses plus claires, j'imagine la chose, pour bien comprendre la chose. Vous savez, lorsque je reçois les gens avec des problèmes qu'ils ont, ben je me mets à leur place. Pour comprendre leurs problèmes, j'essaye de me mettre à leur place. Sinon, ben, je vais leur faire une bracha et au revoir. Non, je préfère me mettre à leur place et essayer de vivre leurs problèmes. Et c'est là, et je me dis toujours, et si j'étais à sa place, que j'aurais fait, ben, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Et c'est comme ça, j'arrive avec l'aide de Dieu, d'essayer de trouver le problème de la personne. Parce que, je m'excuse de vous dire la phrase, si on ne se met pas à la place de la personne, on ne peut jamais comprendre la chose. D'ailleurs, lorsque quelqu'un il est malade, et on va rendre visite d'un malade, est-ce qu'on se met à sa place? Dites-moi, réfléchissez un peu. Est-ce que ça arrive? Vous savez, en général, on dit que Dieu préserve. Non. Je fais une mitzvah, mais jamais on a l'idée de dire, et si je me mets à sa place? Ben, c'est une chose que Dieu préserve. Aucun ne voudra dire si je me mets à sa place de ce malade, parce qu'il est grave malade. Non. Mais on vient visiter. Et bien, justement, pour vraiment faire la mitzvah, il faut que le malade, il sent que celui qui vient lui rendre visite, vraiment, il est préoccupé de sa maladie. C'est pas que je viens le visiter avec un grand sourire, après un au revoir, non. Il faut que, vraiment que je lui montre que je suis préoccupé pour sa santé. Là, celui-ci va se sentir, ah, il est préoccupé. Et c'est là qu'il va comprendre, c'est là que chez chacun, il vient avec un cœur ouvert, en rendant visite à un malade, eh bien, le malade, il va guérir. Il va guérir uniquement par rapport aux visites que les gens le visitent, en lui montrant qu'ils sont vraiment préoccupés par sa santé. Vous savez, mes amis, que Yaakov Abino Alav Shalom, lorsqu'il est parti chercher une femme, le soir, il rêve le bon Dieu, il rêve Hachem, il rêve à Kadosh Baruch Hu qui lui dit, je vais te protéger, je te promets, je vais te donner de l'argent, je vais te donner de la richesse, et de toi, il y aura une descendance, et je donnerai la Torah à tes descendants. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été promises à Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, le matin, il se réveille, il dit, Mandora Makumazé, ah, quel endroit, quelle sainteté d'endroit. Aïe, 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 je ne veux même pas quitter cet endroit. Il était tellement heureux de ce rêve qu'il a fait. Et surtout les promesses qu'il a eues chez le bon Dieu. Toutes ces promesses-là. Mais quand Yaakov, le pauvre, il est en pleine crise. Une crise le porte de toute sa vie. Laquelle il ne sait pas comment Lavan va réagir. Il arrive sans argent, il arrive sans rien. Mais qu'est-ce qu'il a dans ses mains? Il a dans ses mains la promesse de Dieu. À Kadosh Baruch Hu, il promet, je peux chmatira. Au moment qu'il avait fait ce rêve-là, il était pauvre, Yaakov Abinu. Donc ça veut dire, dans sa pauvreté, il a reçu des promesses de la Kadosh Baruch Hu. C'est très important. Après, vous allez tirer une leçon ce que je vais vous dire. Yaakov Abinu, il a une promesse dans le rêve. Il lui dit à Hachem, je vais te protéger, je vais t'enrichir, je vais te donner, et là où tu vas. Et je vais te protéger, aller-retour. C'est-à-dire, il a une promesse dans ses mains. Alors écoute, essaye de comprendre. Mais toi, Yaakov, il se réveille. Il va chez un beau-père qui, a priori, c'est un malin, c'est un voyou, c'est un bandit qui s'appelle Laban. Et qu'il a deux filles. Et il va lui demander une fille au mariage. Et celui-là, il va lui demander de l'argent. Et il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, prête-moi. Non. Il va dire, attends, je vais aller chez mon père. Non. Pourquoi? Parce que Yaakov Abinu, il ne voulait pas mettre en doute la parole du bon Dieu. C'est ça le point important. Jamais mettre la parole en doute en Dieu. Au moment qu'on met la parole en doute d'Hachem, alors là déjà, les problèmes ils vont commencer. Pour Yaakov Abinu, à la vache, il est convaincu.
Au moment où HaKadosh Baruch Hu m'a promis qu'il va me protéger, qu'il va m'enrichir et qu'il va me donner une descendance, j'étais pauvre, j'avais rien du tout. Donc cette promesse d'Hachem, elle est valable. J'ai pas besoin de retourner chez mon père, j'ai pas besoin d'aller de retourner chez ma mère, j'ai pas besoin de dire elle va bien avec moi chez mon père. Non. Hachem il m'a dit, il va m'enrichir, alors là où je vais aller, je vais être riche. Là où je vais aller, je vais trouver une femme. Là où je vais aller, je vais réussir dans la vie. Je ne vais pas faire un retour, un détour. Sur ce, je voudrais vous raconter une histoire. Écoutez bien cette histoire que je vais vous raconter. Une super histoire que j'ai lue cette semaine. Il y avait une fois un monsieur qui vient chez Hafetz Haïm, Alav HaShalom. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Hafetz Haïm. Celui qui a écrit Mishnah Brura, Shmirat HaLashon. Il a écrit pas mal de livres. Et il lui demande, il lui dit, monsieur le rabbin, je vois que toute ta vie, à ton âge, tu es vieux, tu écris des livres, et la Torah. Est-ce que tu ne veux pas t'arrêter un peu, tu ne veux pas trouver un travail plus simple, je ne sais pas, tu travailles trop dur, du matin au soir, tu es vieux, trop dur, du matin au soir, tu écris, encore des livres, tu les vends, et tu les vends à prix coûtant, à peine tu gagnes quelques sous, tu ne veux pas trouver une place un peu... place valable et avoir une panassa valable, avoir un peu une vie tranquille à ton âge. Et le Hafetz Haïm il regarde bien dans ses yeux. Il dit, mon fils, je vais te raconter une histoire. Il a dit, il y avait une fois un monsieur qui voyageait, mais il n'y avait pas de, à l'époque, il n'y avait pas des trains, il n'y avait pas des avions, des TGV, il n'y avait rien du tout. Donc, il allait à pied, il avait des bagages. Il avait même des sacs sous le dos, il pleuvait, il y avait de la boue. Et le pauvre, il souffrait, il marchait. Il y a une voiture qui s'arrête. Il y a le chauffeur qui sort, il lui dit, monsieur, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Tu es mouillé, regarde dans quel état tu es. Tu veux monter dans la voiture, je t'accompagne. Je t'accompagne là où tu veux, je t'accompagne. Il lui dit, non, merci, mais tu es super gentil, merci beaucoup. Non, ça va, c'est bien, moi je continue. Il dit, mais tu ne comprends pas, je te propose mes services, je te propose de t'aider, je te propose de monter dans ma voiture, et tu refuses. Il dit, ben oui, je n'aurais pas refusé si tu vas à mon sens, mais toi tu vas au sens inverse. Mais c'est là-bas que je viens, mais je ne vais pas retourner là où je viens, moi je vais aller tout droit. Donc je ne comprends pas, en montant avec toi, tu vas m'éloigner de ma destination. Hafetz Haïm, il répond, il dit à ce monsieur, moi, dans cette vie-là, on doit aller tout droit. Je suis vieux et je sais où je vais. Je vais vers la vérité. Mais ce n'est pas à mon âge que j'ai commencé à chercher un travail, un boulot, un peu avec dans un bureau. Non, aujourd'hui, je dois aller, on va vers en face. On va vers la vérité, c'est pas en arrière qu'on va aller. Je pense, l'idée est extraordinaire. Il y a Yaakov Avinu, je comprends maintenant, Avec cette image, je réponds à ma question. Il y a Yaakov Avinu, Alav HaShalom, il a quitté ses parents pour aller vers la promesse que Dieu lui a promis. Qu'est-ce que vous voulez qu'il retourne en arrière? Alors s'il retourne en arrière, ça fait qu'il met la promesse de Dieu en doute. Il était en pleine crise, Yaakov Avinu, Alav HaShalom. Et bien justement, lorsqu'on est en pleine crise, qu'est-ce qui reste? Il faut prier. Il faut savoir prier. Je voudrais vous dire une chose. Vous savez que vous avez prié des crises de Parnassa ou des crises que... Vous savez, le seul qui est le mieux placé de ce qui se passe dans le monde, c'est pas pour me vanter, mais c'est du matin au soir que je reçois des coups de téléphone du monde entier. Je reconnais des gens qui étaient multimilliardaires qu'aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Il y a même des gens qui ont envoyé de l'argent avec de quoi passer les fêtes. Et de l'argent de quoi même passer Shabbat. Vous ne pouvez pas imaginer des gens qu'on ne pouvait même pas rêver qu'ils allaient tomber. On ne pouvait même pas rêver. Et ceux qu'on a cru qui sont restés riches, Shabbat, ils sont devenus pauvres ce Shabbat-là. Ce fameux riche là, américain qui a fait faillite avec 50 milliards de dollars, je connais pas mal de gens qui ont perdu jusqu'à 700 millions de dollars chez lui. Et ils sont aujourd'hui, ils sont vraiment les pauvres, ils sont à plat.
Amen. Ceux-là qu'ils ont cru échapper à la crise. Et d'ailleurs, il y a un qui me l'a dit. Il y a un qui m'a dit il y a 2 semaines, Rabbi David, le bon Dieu m'a aidé, il m'a aidé, j'ai échappé à la crise, avant le mois d'août, j'ai pris tout mon argent à gauche et à droite. Et mon Hachem, je les ai maintenant bien placés dans un lieu sûr. Je lui ai dit où? Il m'a dit où il les a placés. Bon, j'ai pas répondu. J'y suis sûr. Il me dit, ah oui, c'est l'endroit le plus en sécurité. Dommage que les gens n'ont pas compris. Eh bien, mes amis, je l'ai eu, si je ne me trompe pas, hier ou aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, je suis dans une synagogue, il pleurait au téléphone. Tout ce qu'il avait, il l'a perdu. Ben, c'est ce monsieur qui a fait faillite, ce fameux Bordeaux qui a fait faillite le vendredi. Et voilà, ces 700 millions qui s'étaient placés chez lui, soi-disant en pleine sécurité, voilà, ils sont perdus, ils les mettaient dans la rue. Mes amis, il faut savoir une chose, que HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit, écoutez bien ce que la leçon est tirée, mais avant que je continue, on avait posé la deuxième question, est-ce qu'il y a Yaakov Avinu Alav Hashalom? Là, vous allez écouter. Est-ce qu'il y a Yaakov Avinu Alav Hashalom? Il était pauvre. Maintenant qu'il est devenu riche, maintenant qu'il a montré au monde entier qu'il est parti pauvre de chez lui, sans rien, et maintenant il retourne chez ses parents avec une fortune colossale. En plus, 4 femmes, 11 enfants, une fille, une richesse colossale. Tout le monde a vu ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il devait traverser le fleuve, une fois qu'il a tout il a fait traverser tout son bien, il s'est rappelé qu'au-delà du fleuve, il a oublié 2 petits flacons sans aucune valeur, qui ne coûtent rien du tout. On voit qu'il est retourné pour les récupérer en risquant sa vie. On a posé la question, est-ce qu'il a fait, il fallait faire cela? Eh bien, de là, j'ai appris une chose extraordinaire, ne pas brûler l'argent. Il y a des gens, malheureusement, qui brûlent l'argent. Ils les brûlent. Parce que le bon Dieu leur a donné, ils sentent qu'ils ont tout ce qu'il faut, ils brûlent. Ils dépensent. Comme quelqu'un m'a dit, je change la voiture chaque mois. Mais je lui dis, c'est quoi ton plaisir de changer la voiture chaque mois? Mais c'est mon plaisir. Mais pourquoi? Mais tu sais que chaque fois que tu changes la voiture chaque mois, tu perds de l'argent. Il le sait, mais je sais. Mais c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'il y a une raison? C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Il n'y a pas de réponse. C'est comme ça. Lorsque je vois qu'il voit que les gens, ils brûlent leur argent sans raison, alors ça crée une crise. Il arrive des situations qui n'ont plus d'argent. Alors maintenant, pas dépenser ton argent. Mes amis, malheureusement, de temps en temps, il arrive des situations que les gens, ils oublient qu'il y a un créateur. Ils oublient que chez Hachem, il leur a donné ce qu'ils ont. Ils oublient. À tel point qu'à un moment donné, ils disent, Kohiv Otsimyadi, c'est ma fortune, c'est moi qui l'a fait. Ma fortune, c'est ma sagesse, c'est mon intelligence, c'est moi qui ai fait la fortune. Personne ne me l'a donné. Alors, mes amis, à Kadosh Baruch Hu, de temps en temps, qu'est-ce qu'il fait? N'oubliez pas, je vais vous répéter une phrase. De la même façon qu'il peut avoir une crise terrestre, il peut avoir une crise céleste. C'est quoi une crise terrestre? Et c'est quoi une crise céleste? Lorsque dans ce monde-là, les gens ne font pas attention à Dieu, eh bien, il y a une crise là-haut. Et cette crise qui se passe là-haut, qu'est-ce qui se passe? Avec tout le bien qu'on leur fait, ils nous tournent la tête. Alors qu'est-ce qui se passe? Et ils vont dire, on va renverser le rôle. On va leur prouver qu'il n'y a pas une crise. Et on va se moquer d'eux. Et c'est ce que c'est écrit dans la Torah. Sheba Shamayim, Hashem Itzhak Lamo. Il y a une passage qui dit que parfois, quand je me rends, ils rigolent de là-haut. Je vous pose une question. Quoi, quand je me rends, il n'a rien à faire à rigoler? Il n'a rien à faire à rigoler sur nous? Eh bien, beaucoup de fois, mes amis, ça fait rire ce qu'on fait. Ça les fait rire beaucoup là-haut. Parce que nous, ce n'est pas l'avenir. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On croit que tout va bien. Mais là où ils voient qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours, et là où ils, comme ce monsieur-là, qu'il a pris ses 700 millions qu'ils étaient investis à gauche et à droite, il les a récupérés en les investissant,
dans un autre hedge fund quelque part d'autre. Et là, lorsque la crise est venue, il s'est dit, je suis l'homme le plus intelligent du monde parce qu'il a cru savoir faire, il a cru bien faire, il a cru, voilà, j'ai réussi à sauver mon argent, je ne suis pas bête comme les autres, et voilà, je suis super intelligent. Et là, qu'est-ce qui se passe? On rigole de lui, oh, qu'est-ce qui va se passer? Non, non, non. Et de là, qu'est-ce qui se passe? Et de là, qu'est-ce qui se passe, mes amis? De là, ils sont en train de regarder, ils observent. Waouh, waouh, ils regardent. Aïe, qu'est-ce qui t'attend dans 2 mois? Ils rigolent de là-haut. Et là, ils rigolent. Et voilà, mes amis. Yaakov Avinu Alav Shalom, il nous donne ici une preuve éclatante, une preuve inimaginable, une preuve extraordinaire. Il faut savoir respecter l'argent. Lorsqu'on ne respecte pas l'argent, lorsqu'on ne le respecte pas, eh bien cet argent, un jour, on aura besoin. La crise, elle naît lorsqu'on ne respecte pas l'argent, lorsqu'on le brûle, lorsqu'on l'utilise pour des causes qui sont sans aucune importance. Mes amis, on voit, et à Kovabino Alav Shalom, il nous donne un trait, il nous donne des enseignements, qu'on peut être en pleine crise et de la crise. L'Eishua, la délivrance, elle peut arriver. De la crise, l'Eishua, elle peut arriver. Et parfois, il faut savoir aussi comment éviter la crise. Pour éviter la crise, il faut bien être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on est reconnaissant à Kadosh Baruch Hu, merci Hachem pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci à Kadosh Baruch Hu. Lorsque Kadosh Baruch Hu voit que tu es reconnaissant tout le temps à lui, donc Kadosh Baruch Hu, il fait attention aussi à ton argent. Je voudrais, mes amis, vous donner une petite image de quelque chose. Je ne sais pas si, il y a quelque temps, lorsque, pendant les vacances, la crise elle a commencé, et je commençais vraiment à recevoir des coups de téléphone du Brésil, de l'Argentine, à gauche et à droite. Et ceux qui m'ont écouté, grâce à Dieu, ils ont... Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance à la bourse. Parce que pour moi, c'est du bidon. C'est rien du tout. Je ne fais pas confiance. Je n'ai jamais fait confiance. Et pourtant, j'ai vu des gens qui sont enrichis et j'ai pas eu confiance. Une fois, je voulais faire une expérience personnelle. Quelqu'un vient me voir et me dire, « David, voilà, j'ai vu dans le pétrole, dadada, et bien, le pétrole, les flammes, ils montaient. » Et chaque fois, je vois qu'il monte, chaque fois, ce monsieur-là, il faisait de l'argent. Et à un moment donné, je me suis dit, dommage. C'est vrai que j'avais mis un peu d'argent avec lui, peut-être aujourd'hui cet argent, je l'aurais triplé 10 fois, 20 fois. Et à un moment donné, j'ai commencé. Et chaque fois, ce monsieur, il vient, on dirait, il me dit, voilà, pour m'énerver. Et chaque fois, il me dit, j'ai gagné, et ça chiffrait des dizaines de millions de dollars qu'il gagnait tout le temps. Et chaque fois que j'ai venu en Amérique, c'est toujours la même leçon. Et puis j'ai décidé de lui dire, écoute, je te donne 10 000 dollars, 10 000. Il me dit, c'est tout. Je lui dis, voilà, 10 000, mais toi, ça coûte déjà. Qu'est-ce que tu as gagné? Je lui dis, c'est pas grave, je les donne. Je voulais voir. Lorsque je lui ai donné, le pétrole commençait à tomber. Je vous donne la parole d'honneur. Je les ai perdus. Et j'ai regretté. J'ai dit, tu vois, David, c'est du vent. C'est du vent. Parce que tous ceux qui ont mis l'argent dans le pétrole, ils ont tout perdu. Parce que de plus que ça monte, et bien de plus qu'il veut encore mettre de plus, à un moment donné, tout est parti. Si Hachem veut enrichir quelqu'un, il a des moyens pour enrichir quelqu'un. Si Akadosh Baruch Hu, c'est une balabaïte, il sait, il a des idées, il sait comment faire. Et bien justement, Rabotai, ce qui se passe aujourd'hui, le seul moyen pour Akadosh Baruch Hu, pour réveiller la personne, vous savez quand? Et bien lorsque la personne commence un peu à perdre un peu l'argent de ses poches. Au moment qu'il commence à perdre l'argent, c'est là qu'il commence à se réveiller, c'est là qu'il commence à chercher. Vous savez, j'ai jamais reçu autour du monde, en Argentine, comme
la semaine dernière, les 10 jours que j'ai passé là-bas. Parce que vraiment, la crise, elle bat son plein. Et j'ai fait un cours il y a mardi dernier, comme ce soir, à Buenos Aires. Tous les riches argentins étaient là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que j'allais parler de la crise. Ils savaient que j'allais parler de l'argent. Ben, tout le monde est venu pour voir de quoi que je vais dire. De quoi, quelle bonne nouvelle je vais leur dire. Mais j'étais pas très gentil avec eux. Ben, j'aurais dit, ça va continuer. Donc ça leur a pas plu, cette phrase-là. Ça va. Parce que mes amis, il faut savoir une chose. Le seul moyen pour que ça s'arrête, il faut qu'on lève les yeux vers Hachem. Tant qu'on n'a pas levé les yeux vers Akadosh Baruch Hu, ça ne peut pas s'arrêter. Parce que Akadosh Baruch Hu, il se dit, bon, vous m'avez abandonné pour l'argent, ah ben je vous laisse avec votre argent. Alors voilà, je vous laisse, voilà. Allez-y, fichez votre argent, dites votre argent, sauvez-moi. Entre temps, l'argent est tombé. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est là qu'on retourne vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il attend la crise pour nous faire des grands sourires, parce que lorsqu'il y a la crise, c'est là qu'on le cherche. La plupart des gens qui viennent chez moi, c'est pas lorsqu'ils ont tout. Lorsque tout va bien, non. Il y a peut-être 10% des gens qui viennent me voir lorsque tout va bien, ils viennent me dire bonjour. Mais la plupart du reste des gens, ils viennent lorsqu'ils ont vraiment un problème. Et lorsque, par exemple, quelqu'un aujourd'hui, à qui aujourd'hui j'ai dit, il faut faire ceci et cela, il me dit donc, d'accord. Mais pendant 2 ans que je lui ai dit de faire ceci et cela, il n'a pas voulu le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas cru. Mais maintenant qu'il a des problèmes, c'est là qu'il me croit. Mes amis, Yaakov Avinu Alav Hashalom, il nous enseigne un enseignement extraordinaire. Pour 2 flacons qui, sans aucune valeur financière, rien du tout, et qui ne coûtent rien du tout, ils ne coûtent même pas 1 dollar, même pas 1 euro, rien du tout. Yaakov Avinu, il veut nous montrer, non, j'avais pas ces 2 verres-là, et maintenant je les ai, je ne vais pas les jeter. Donner la valeur à la chose. Donner la valeur même aux choses qui sont sans aucune valeur. Lorsqu'on donne la valeur aux choses sans aucune valeur, eh bien on donne la valeur à tout. On va même donner la valeur à Kadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'il n'y a pas de valeur, avec tout ce qu'Hachem nous donne, on n'apporte aucune valeur à la chose, la plus forte raison qu'on ne va pas donner la valeur à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se fait à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, il nous réveille. Il nous réveille comment? Le manque de cette chose-là. Vous savez, mes amis, je voudrais... vous dire une phrase que souvent je l'ai répétée. On dit En Ben David va, Mashiach ne vient pas, Achtikli pour Taminakis, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de pièces d'argent dans les poches. Alors je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez imaginer un riche qui n'a pas de pièces dans sa poche? C'est impossible. C'est impossible. On dit que Mashiach ne peut pas venir. Si tant qu'il y a l'argent, c'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait d'argent. C'est dur pour moi de comprendre cela. Achtekli pour Daminakis. Hachem, c'est nos sages, ils savent ce qu'ils disent. Ils disent, c'est effrayant ce que je dis, mais c'est effrayant. Mais lorsqu'on voit un peu la réalité, on voit un peu les choses. Vous savez, je peux répondre à cela à plusieurs niveaux, je peux répondre à cette question-là. Tout d'abord, aujourd'hui, il n'y a que la carte bleue. Il y a le chéquier. Les gens, leur argent, ils sont à la banque. Après, moi, en ce moment que je vous parle, Hachem est témoin, je n'ai pas une pièce dans mes poches. La plupart des gens, le matin, pendant la prière, lorsqu'on arrive à Vaivarir, on met de l'argent dans la coupa, on n'a pas. Alors qu'à l'époque, tout le monde avait des pièces dans les poches. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait une mode, il y avait la petite pochette dans le pantalon. Aujourd'hui, c'est plus à la mode. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de pièces. Aujourd'hui, c'est plus à la mode d'avoir les pièces dans la poche. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ces pièces, ils n'ont plus de valeur. Les gens aujourd'hui cherchent les billets. Les gens aujourd'hui cherchent Niyarot Erech, la bourse, les papiers de bourse. Aujourd'hui, les gens ils cherchent des papiers. Vous savez, il y a quelqu'un qui a acheté de l'or sur papier. Et s'il perd ce papier, il a perdu son or. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'achètent de l'or, des fois de l'or. Il y a aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, tu peux être milliardaire et que sur un papier. Voilà, tu es milliardaire sur un papier. Tu perds ce papier, tu es pauvre. Sur un papier, tu es milliardaire. Il y a quelqu'un qui me dit une fois, Rabbi David, j'ai 1 million de ménayotes, de titres, d'actions
que je vais vous donner. Je dis 1 million. Moi, je croyais que c'était 1 million de dollars. Je dis 1 million de dollars. Non, non, non. 1 million d'actions. Et je lui dis, c'est quoi ces actions? D'actions, c'est quoi? Quelle action? Il me dit, ben, c'est des actions, c'est si ça monte, vous pouvez avoir 2, 3, 4 millions de dollars, vous allez beaucoup à gagner. Et je lui dis, si je perds, eh ben, si vous perdez, vous perdez. Alors, je lui dis, écoutez, je vous les vends. Voilà, je vous les vends, je ne les veux pas, je vous les vends. Il me dit, mais Rabbi David, mais ça ne va rien. Je lui dis, alors, c'est quelle tzedaka que tu me donnes? Tu me donnes une tzedaka, tu me dis, ça va pas d'argent, c'est pas une tzedaka. Et de là, j'ai appris que la bourse, c'est du zéro. Voilà. Et de là, j'ai appris que la bourse, c'est zéro. C'est rien du tout. C'est des actions. Une action. Des aventures. Pas plus. Des aventures. Mes amis, et je pense que... Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vous en prie, ne ratez aucune phrase que je vais vous répéter ce soir. Par exemple, dans l'Aftara de cette semaine, on dit que HaKadosh Baruch Hu, écoutez bien, avant que Mashiach va venir, il va avoir une grande intelligence dans le monde. Je pense à notre époque, le monde il a atteint le plus haut niveau de l'intelligence, l'Internet. L'Internet, c'est mon ennemi numéro un, avec tous les dégâts qu'il fait l'Internet. Tous les dégâts, tout ce que j'entends, tous ces moments qui viennent pleurer chez moi. Comment leurs enfants ont rencontré des gens sur l'Internet. Les enfants qui ne veulent plus étudier à cause de l'Internet. À cause... C'est catastrophique. Aujourd'hui, même les Français, je ne parle pas des Juifs, même les Français aujourd'hui se plaignent. Là où vous allez aujourd'hui dans le monde, en Amérique, ils vont avoir des lois qui vont un peu bloquer un peu cette... C'est aujourd'hui, l'homme il devient l'esclave de l'Internet, l'homme il devient l'esclave de Facebook, aujourd'hui l'homme il devient l'esclave de tout ce qui se passe aujourd'hui. Je vous pose une question. Facebook, c'est quoi? C'est raconter toute une vie privée à tout le monde. C'est beau ça? C'est beau d'exposer toute ma vie privée? Est-ce que c'est beau? Alors, j'ai plus de vie privée. Je vais raconter sur ma mère, sur mon père, qu'est-ce qu'il faut à la maison, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai fait. Il y a même une fille qui raconte à une fille que Facebook, à une fille, je sais pas, qui voulait discuter avec elle. Eh bien, ce matin, j'ai volé 10 euros à ma mère. Eh bien, demain, cette fille-là, elle aura des problèmes. Parce que ça va être, si elle demain va être ministre, quelque part, ils vont dire, toi tu t'es jeune, tu as volé ta mère. Mais c'est grave ce qui se passe aujourd'hui. C'est grave. Mais c'est une intelligence superbe. Donc d'un côté, l'intelligence, elle bat son plein. Dans quelques temps, peut-être, on va rendre la personne invisible. Aujourd'hui, ils sont en train déjà d'essayer d'inventer des X-rayons qui peuvent vous rendre invisible. Si je mets ces X-rayons sur toi, ben je te rends invisible. On ne te voit pas. On voit rien du tout. Mais tu es là-bas, mais on ne te voit pas. Et à savoir, peut-être un jour, ils vont... Je ne sais pas où ça peut aller. Mais à un moment donné, HaKadosh Baruch Hu dit dans la Haftara de cette semaine, « Ve'abati Chokhma Me'edom. » Je vais stopper cette intelligence, cette forma de Edom, elle sera plus valable. Ça devient déjà dangereux. Aujourd'hui, regardez aujourd'hui le miracle qui s'est passé au printemps avec ces explosifs qu'ils n'ont pas explosé pour Hachem, mais ça aurait pu être un carnage aujourd'hui. Ça aurait pu être, je ne sais pas. Aujourd'hui, le monde où vous allez, c'est... Vous savez, on a un clin d'œil. Il peut avoir que Dieu préserve ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Les gens, ils auront peur de sortir dehors. Il y aura la peur. Il n'y aura pas de guerre, mais il y aura la peur de partout. Il y aura la peur de sortir dehors. Donc, il y aura plus d'argent dans les poches. Mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus la valeur de la pièce. Je m'appelle, j'étais jeune. Mon père, il me donne une pièce avec...
Je recevais la pièce des mains de mon père avec un plaisir, avec un grand sourire. Ah, j'ai une pièce, avec cette pièce je vais acheter. Aujourd'hui, des pièces, ça ne vaut rien du tout. Et ils ont la pièce, elle a plus de valeur. Tellement que la pièce n'a pas de valeur, elle ne se trouve même pas dans la poche. Alors je vous pose une question. Quel est le rapport Mashiach et la pièce? Pourquoi on dit que Mashiach ne vient pas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pièces dans la poche? Quel est le rapport? Quel est le lien? Est-ce qu'il y a un lien entre Mashiach et la pièce? Est-ce qu'il y a un lien? Ça veut dire quoi? C'est Mashiach qui a volé toutes les pièces? Il n'y a plus de pièces dans la poche? C'est quoi ça? La réponse, elle est nette et claire. Lorsque l'homme, malheureusement, il donne plus l'importance à la petite monnaie, il cherche la grande monnaie, ça veut dire que cet homme-là, il cherche à s'éloigner du bon Dieu. Parce qu'a priori, lorsqu'on a la petite monnaie, on apprécie la petite monnaie. On apprécie la petite monnaie. Elle fait plaisir la petite monnaie. Mais depuis qu'on cherche la grande, eh bien, la grande, elle ne satisfait plus la personne. On a un million, on veut deux. On a deux, on veut trois. On a trois, on a quatre. On a un milliard, on veut 2 milliards. Mais lorsqu'on cherche le pauvre, il est heureux avec les petites pièces qu'il a. Il est super heureux. Il ne demande que les billets. Il ne demande pas les billets. Mais une fois que le pauvre, on commence à l'habituer avec les billets, lorsqu'on lui jette des pièces, il va les jeter sur toi. Il ne va pas les accepter. Mais toi, je veux un billet. Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui vient chez moi, un pauvre. Je m'appelle un pauvre. C'était vraiment un pauvre. Et toujours, je lui donnais des pièces. Et à un moment donné, je n'avais pas de pièces, je lui ai donné un billet. Et bien, il est venu la semaine d'après. Je lui ai donné les pièces, mais il m'a dit non, je veux le billet. Il a cru ça, et je veux le billet. Bon, j'ai eu l'appel pour lui, je lui ai donné un billet. Et depuis, il fallait lui donner le billet. C'est tout. Et à un moment donné, il m'a dit, mais toi, c'est l'inflation, il faut me donner 2 billets. Et c'est comme ça. El Ben David Bar. Écoutez, ma chérie, il ne peut pas venir. Lorsque l'homme, il commence à voir trop loin. Ça y est, il s'est déjà déconnecté du bon Dieu. Maintenant, il cherche maintenant les billets. Il ne cherche plus la petite monnaie. Parce que lorsqu'on cherche la petite monnaie, ça veut dire qu'on montre qu'on dépend de la carte de chemin. Hachem, je suis comme une coupe à tirer. Donne-moi les hem, les rôles de béguer des boches. Donne-moi un peu. Mais alors maintenant, ça y est, je suis plus satisfait du peu. Je veux un peu plus. Ça y est, maintenant, je veux plus. Maintenant, alors je veux plus, je ne demande pas au bon Dieu, je veux plus. Je vais essayer de trouver le plus. Et après, je vais dire, c'est moi qui ai eu ce plus. Ce n'est même pas le bon Dieu, alors que je pourrais dire, si c'est comme ça, donc c'est la fin. Et alors, si c'est cette fin-là, alors que je vais ouvrir, il va être obligé d'envoyer Mashiach. Il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on a déjà, on est déjà en pleine déroute. En pleine déroute. Mes amis, aujourd'hui, malheureusement, d'un côté, il y a la Chokhma. La chokhma, la sagesse, l'intelligence, l'informatique. L'informatique, aujourd'hui, les ordinateurs, aujourd'hui, si on, rappelez-vous, revenez un peu en arrière, 20 ans en arrière, qu'est-ce qu'il y avait? Rarement, il y avait des téléphones. C'était pas les téléphones dans toutes les maisons. C'était pas. Nous, on a entendu presque 3 mois pour avoir allé chez Valion, le téléphone, un téléphone. Et je me rappelle, lorsqu'une fois, Il y a 15 ans, 20 ans, on m'avait offert un portable, mais un portable qui était comme une valise, la taille d'une valise. Je me rappelle les portables de l'époque. Eh bien, tout le monde qui me regardait, tout le monde dit Ah, Rabbi David, il a un portable. Bon, le nom du portable, il n'a pas changé, mais aujourd'hui, c'est des petits portables. Aujourd'hui, la technologie, elle a avancé. Aujourd'hui, c'est de l'Hébel, c'est de la folie ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, on ne pouvait pas manipuler ces petits portails qui sont devenus ordinateurs, qui sont devenus télévisions, qui sont devenus satellites, qui sont devenus, je sais pas, peut-être un jour ils vont devenir des avions. Peut-être, je sais pas. Aujourd'hui, il faut peut-être avoir des ailes et je sais pas, et des moteurs. Et je sais pas, je comprends. Peut-être. Aujourd'hui, je crois à tout. Aujourd'hui, je crois à tout. Mais écoutez bien. Mais, voyons cette technologie, cette chorma qu'elle avance. C'est-à-dire que maintenant le monde, il avance derrière la chorma. Et c'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu le Hacham, ce n'est pas Hachem l'intelligent, ce n'est pas Hachem qui fait et qui donne. Maintenant, c'est l'être humain qui devient intelligent. L'être humain, il peut inventer, il rendre le monde, je ne sais pas quoi. Maintenant, ça veut dire, maintenant, on devient. Maintenant, on laisse de côté Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il voit. Écoutez très bien. Deux problèmes majeurs.
on s'éloigne de Akadosh Baruch Hu et on, ça, on a eu la foi dans l'intelligence humaine. Et de l'autre côté, on ne cherche plus les petites pièces. Ces petites pièces qu'elle rend l'homme qui dépend toujours d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On veut mettre le billet, le gros billet et le gros lot. On veut le gros lot. Alors, mettez attention, il dit, puisque c'est ces deux choses-là qui sont l'obstacle entre moi et toi, alors et la crise, elle commence. Et c'est une crise qui peut aller très loin. D'ailleurs, j'ai vu, dans un journal, j'ai vu qu'aujourd'hui, les Américains, mais les Européens, ils n'écartent pas à l'hypothèse qu'un jour, ils risquent d'avoir un éclatement dans les ordinateurs. Et après là, c'est, tout va craquer, tout va tomber. Ce sera la, je ne sais pas quoi. Je veux bien dire que ce sera la fin, mais ce sera la vraie crise. La crise de l'argent, la crise des ordinateurs, de l'informatique, puis le monde va être paralysé. Et c'est la magie. Vous avez compris? Sachez une chose, c'est pas en restant en face à la télévision, c'est ça qui va nous avancer vers une vérité. C'est faux. C'est lorsqu'on cherche la vérité. Mes amis, il y a quelqu'un ici qui m'a raconté ce dimanche, il m'a apporté une gemara. Quelqu'un qui a un peu des problèmes de parnassa. Il m'a apporté une gemara. Il me dit, Rabbi David, regarde, c'est cette belle histoire que la gemara raconte. Il y avait un rave qui avait le business, le business du vin. Il vendait du vin. Et un jour, il avait 400 bouteilles du bon vin. Il vendait du bon vin. Et voilà. Il le vend. On vient lui dire, monsieur le rabbin, il y a un problème. Votre vin, il est devenu du vinaigre. Et lui, il sait fabriquer le vin. Il sait que c'est du vin qu'il a fabriqué. Et j'ai dit, c'est pas possible. Il va une goutte, c'était du vinaigre. Il avait de la peine. Il avait de la peine. Mais c'est quoi ça? Vous savez, mes amis, les tzadikim, lorsqu'il leur arrive un problème, ils disent pas, ils se laissent pas aller. Ils cherchent pourquoi ils ont ce problème-là. Moi, David Pinto, je vous donne un parole d'honneur. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai un petit problème. Ce matin, ça a commencé hier soir. Et dans la nuit, j'ai fait un cauchemar. Alors, j'ai dormi tard, très très tard. Entre temps, j'ai fait le cauchemar, je me lève et je rentre à la cuisine, j'ai fait un café, je commence à écrire, à étudier la Torah. Je dis, non, si j'ai des problèmes, c'est qu'il y a quelque chose que je dois réparer. C'est pas possible, le bon Dieu ne va pas me frapper comme ça, sans raison. C'est pas possible que j'ai ce problème, plus vous croyez que j'ai pas de problème, j'ai des problèmes moi aussi. Vous croyez que je suis un ange qui n'a pas de problème, c'est pas vrai. Je fais un être humain contre tout le monde, moi aussi je subis le problème contre tout le monde. Mais, je sais les affronter. Je les affronte avec Emouna, avec une foi, avec la foi en Kadosh Baruch Hu. C'est tout. Et à un moment donné, j'ai dit, peut-être c'est à cause de ça. Peut-être c'est à cause de ça. Peut-être c'est à cause de ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est trois raisons, c'est ça qui a créé mes problèmes. Donc, je vais essayer de les réparer. C'est comme ça, mes amis, il faut. Ce rave, lorsqu'il a vu que son vin, a priori qu'il devait être du bon vin, et que ce vin est devenu du vinaigre, il a commencé à réfléchir. Mais il n'a pas commencé à réfléchir tout seul, il a appelé ses élèves. Aidez-moi à trouver la raison de comment mon vin est devenu du vinaigre. Je m'en fous que j'ai perdu d'argent. Mais pourquoi? Maintenant, l'argent, je l'ai perdu. Mais le problème, c'est que chaque fois que je fais du vin, il est devenu du vinaigre. Alors, il faut que je trouve mon problème, la solution de mon problème. La solution pour mon problème. Et puis ils ont commencé à poser des questions. Et finalement, il y a un qui lui dit, monsieur, Rabbi, ce verre que tu ne le fais pas tout seul, tu dois avoir des ouvriers. Il lui dit oui. Eh ben, est-ce que ces ouvriers-là, il n'y a pas un ouvrier à qui tu n'as pas payé? Ah, je vais voir. Mais il commence à faire une enquête, et il a vu qu'il y a un ouvrier à qui il n'a pas payé. Il a oublié de le payer, mais l'ouvrier, il a eu peur de lui demander l'argent de peu qu'il le renvoie. Il n'a pas demandé. Il y a un métage propre. Donc c'est à cause de ça.
C'est à cause de ça. Ça veut dire qu'il faut toujours chercher des raisons. Lorsqu'on reçoit un petit coup ou un grand coup, il faut essayer de trouver la raison pourquoi. Il ne faut pas laisser. Parce que c'est grave. Parce que le coup, si ce coup-là, on. C'est un coup. Ça veut dire. Et déjà, il faut être convaincu que ce coup, il vient du bon Dieu. Quelqu'un qui glisse, qui tombe. C'est qu'il y a une raison. C'est pas parce que. Ah, quelqu'un veut lui dire, non, tu as vu parce qu'il y a une peau de banane. Ouais, mais pourquoi j'ai pas vu cette peau de banane? Et pourquoi j'ai glissé? Pourquoi pas c'est l'autre qui a glissé? Pourquoi c'est moi? Et pourquoi j'ai pas fait attention? Donc, il y a une raison. Ça ne veut pas dire que le fait que tu es tombé. Ça y est, tu es acquitté. Non, il faut ça c'est un réveil, ça c'est une alarme. Réveille-toi, cherche, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et croyez-moi, mes amis, on a beaucoup à se reprocher. Il y a beaucoup à réparer. Il y a plein, beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses à réparer. Il nous reste à réparer la chose. Le matin, on se réveille. Est-ce qu'on dit merci au grand Dieu? Est-ce qu'on se lève les mains le matin? Est-ce qu'on fait une prière? Est-ce qu'on respecte la communauté familiale? Est-ce qu'on met chiline? Tout ça, c'est des choses qu'il faut bien voir. Il faut bien voir clair. Mes amis, il faut savoir une chose, que la chose la plus belle que la Tante Joie nous a donnée, je m'excuse de la dire, c'est pas moi de le dire, mais c'est bien de la dire aussi. La plus belle chose que la Tante Joie nous a donnée, c'est Havevin Issori. De temps en temps, une petite punition dans ce monde-là, c'est pas mal. Pourquoi pas ça nous réveille? Alors, c'est une grande punition. Ça veut dire qu'on a reçu beaucoup des petites punitions qu'on n'a pas fait attention. Lorsqu'on ne fait pas attention aux petites punitions, la crise, elle arrive. Comment combattre la crise? Et quand elle va s'arrêter? Eh bien, ça ne dépend pas du bon Dieu. Ça dépend de nous. C'est nous qu'on l'a créé et c'est nous qu'on doit se débarrasser d'elle. C'est nous qu'on doit se débarrasser d'elle. C'est pas quand je mourrai, il ne faut pas nous faire des faveurs. La crise, c'est le cri d'alarme. C'est le cri d'alarme avant la crise plus importante que celle-là. Parce que cette crise-là, aussi forte, aussi grande qu'elle peut être, il peut y avoir une crise encore plus dure que celle-là. Une fois, en allant à la synagogue le matin, j'entends à la radio, est-ce que la France, elle est en faillite? J'entends à la radio, est-ce que la France, elle est en faillite? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées que qu'on ne peut pas nous dire? Et ça je ne peux pas vous dire. C'est-à-dire que le bon Dieu sait qui c'est. Qu'est-ce qui se passe derrière les murs? Ça, on ne peut pas savoir. Je vous donne un parole d'honneur que je parle autant que juif. Mais toi, je ne parle pas à tous les Français ou le monde entier. Moi, je parle aux juifs. C'est tout. À vous, je parle. Je m'adresse à vous. Et vous, vous êtes mes porte-parole. Que vous avez parlé à tout le monde autour de vous. Regardez-moi bien, et vous savez une chose, que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, dans le monde, ce qui se passe, l'insécurité, les crises et tout ce qui se passe dans le monde, c'est quelque part pour réveiller notre conscience. Vous allez, je ne sais pas, vous pouvez dire, mais ce rabbin, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Eh bien, je n'ai rien à vous dire. Vous n'avez pas le choix, on n'a pas le choix. C'est, la vie, elle est comme ça. La vie, elle est, c'est que il y a un passage dans la Torah qui dit Ve'im mechokotai telechu ve'et mitzvotai tishmeru ve'asitim otam ve'natati gishmechem be'ita. HaKadosh Baruch Hu dit, si vous respectez les mitzvot, vous respectez la Torah, je donnerai la pluie, je vous donnerai l'abondance, je vous donnerai le matériel. Ça veut dire que quelque part, HaKadosh Baruch Hu, il nous dit, voilà, je vous donne, mais vous aussi donnez-moi, je vous donne. Mais quand parfois, il a ras-le-bol, il a marre, il fait que nous donner, après nous, chaque fois, il donne un coup de pied, à un moment donné, il dit, hop, j'arrête. Et au moment que Hachem, il arrête, c'est là qu'on commence à se réveiller. J'ai souvent dit aux gens, pour peu qu'on est frappé que par ce qui est matériel que la santé. Est-ce qu'il y a mieux que la santé? Est-ce qu'il y a mieux que la santé? Elle m'a fait pleurer, une femme, aujourd'hui, je vous donne la parole d'honneur. Elle m'a fait, je ne sais pas si elle est là, je ne sais pas, oui. Elle m'a fait pleurer. La pauvre, c'est une femme que je vois toujours. Elle a 42, 43 ans. Elle vient, elle rentre. Elle me dit, ben voilà. Je lui dis, voilà quoi? Puis voilà, c'est fini. Je lui dis, fini quoi? C'est une femme que j'ai vue il y a le mois dernier. Mais ben voilà, je pense pas que
Il me dit, je ne pense pas que je vais assister à la mamisa de mon fils. Je lui dis, pourquoi? Ça va avec ton mari, quoi? Non, non. Ils ont découvert la grave maladie et ils ont donné quelques jours, quelques mois, quelques semaines à vivre. Et ben voilà, elle commence à pleurer. Elle me regarde. Elle me dit, pourquoi? C'est une crise qui n'a pas de fin. C'est une crise qui a une fin pour elle, mais c'est une crise qu'on ne peut pas résoudre que par un miracle. Mais les autres crises matérielles, on peut les résoudre. On peut vivre. On peut les surmonter. On peut les surmonter. Peut-être ceux qui ont beaucoup perdu ne peuvent pas surmonter, mais les petits peuvent surmonter. Mes amis, je voudrais maintenant terminer en racontant une histoire. Cette histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui aurait pu être catastrophique. Mais comme on dit dans la prière, Berogez, Rahim Tiskor, même pendant la colère d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. Vous savez, mes amis, on parle souvent de Mashiach. Plus que jamais, on parle de Mashiach. Et certaines personnes me posent la question, même pas plus qu'hier soir, est-ce qu'on a besoin de Mashiach? Je lui dis, toi, est-ce que je lui dis, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, oui. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, ben parce que j'ai envie de connaître davantage Dieu. Je le sens, je le connais, je le sens dans mes prières. Lorsque je prie, lorsque j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle, je l'évoque, je l'implore. Mais j'ai besoin d'un peu plus. Tant que juif, j'ai besoin d'un peu plus. Je fais tout pour lui. Maintenant, j'ai besoin. Et, majesté, je veux te voir, ça suffit. Donc j'ai envie de le voir, j'ai envie, je ne sais pas, j'ai envie de faire un peu plus, mais pour faire un peu plus, il faut connaître un peu plus. Pour connaître un peu plus, on le connaîtra un peu plus que lorsque Mashiach vient. Donc pour moi, c'est ça. Je n'attends pas de Mashiach l'argent, une maison, un beau temps, la paix. Non. J'attends de connaître un peu plus Akadosh Baruch Hu, pas Mashiach. Je lui dis à toi. Je lui dis, eh ben moi, il me regarde. Un regard qui n'a pas de réponse. Alors, et toi? Eh bien, moi, il bouge ses épaules. Tu m'as posé la question. Ce que je pense de Mashiach, tu donnes ma réponse. Et toi? Eh bien, moi, il n'a pas de réponse. J'ai des doutes, je lui dis. Il me dit, c'est pas que j'ai des doutes, j'ai peur. Je dis, peur de quoi? Je sais pas, peut-être des choses qui vont arriver, des choses que je ne peux pas comprendre, des choses au-delà de ma imagination. J'ai peur du noir, j'ai peur du soleil, j'ai peur de trop de choses, j'ai peur de vous. Je lui dis, tu as peur de moi? Il dit, ah ben c'est bien super, tu as peur de moi. Je lui dis, non, demain tu n'as pas peur, tu as peur plutôt de l'obscurité, des choses. Je lui dis, écoute-moi, pour ne pas avoir peur, alors je te donne un conseil. De maintenant, commence à te chauffer avec la lumière de la Torah. De maintenant, commence à éclairer tes yeux avec la lumière de la Torah qui va écarter les ténèbres de ta vue. De maintenant, tu vas te chauffer avec la Torah. De maintenant, tu vas commencer à t'installer la vraie émouna en Dieu. Et en installant la vraie émouna en Dieu, tu vas chercher davantage. Lorsqu'on a faim, on ne passe pas directement au plat. Il y a toujours un apéritif et un peu de mahia, un peu de bouchar, on ouvre un peu d'appétit et après on mange. Et je vous donne la parole d'honneur, le Shabbat, toujours je fais le reproche à ma femme. Chaque Shabbat, il n'y a pas un Shabbat que je ne fais pas de reproche. Pourquoi tu fais trop de salades? Pourquoi? Et je lui dis, et me dit David, mange les salades. Mais je lui dis, mais Viviane, attends, il y a le poisson, il y a la choucroute, il y a la viande, il y a tout. Mais c'est trop tout ça. Déjà, j'ai plus faim.
David, mange des salades. Ça nous a pris 2 journées pour les faire. Bon, on mange les salades sachant qu'on n'a plus faim. Et après, on mange le poisson. Après, le poisson dit, on n'a plus faim. Et toujours, et après, on mange tout. Et après, Madame Pinto lui dit, tu as vu? Tu as tout mangé? J'ai demandé, tu as ajouté. Ça veut dire que pourquoi? C'est parce que, avec la discussion avec le Ta'alouk Shabbat, l'appétit, il s'élargit. De même, lorsqu'on étudie la Torah, on goûte la Torah, Ta'amou Kouktov Hashem, lorsqu'on goûte la Torah, l'appétit, elle s'ouvre. On veut savoir davantage, on veut connaître, on veut connaître. Une fois qu'on est dedans, on est super heureux. Alors, mon histoire, elle commence avec, je ne dis pas de nom, mais les messieurs sont avec nous, sauf si eux veulent le dire, c'est eux, mais. J'appelle William Marciano, qui est là. Je dis, tu m'appelles tel et tel. William, il oublie. Mais ça a commencé au Maroc. Je dis à ce monsieur, j'ai envie de te parler. Ce monsieur, il me dit, Rabbi David, maintenant, j'ai dit, non, à Paris, pas maintenant, mets-toi c'est la Iloula, on est venu pour se réjouir. Et finalement, je dis à William Marciano, tu l'as appelé? Il me dit, je vais l'appeler. J'y mets, toi, tu l'appelles devant moi. C'était mardi. Tu l'appelles maintenant devant moi. Il appelle, Rabbi, il lui dit, monsieur, Rabbi David, il veut te parler. Il a vraiment besoin de toi. D'accord, demain, je viens. Je viens demain. Demain, à quelle heure? 3 heures. C'était mercredi. Le lendemain, il arrive. Et lorsqu'il arrive, je le vois, lui et son père. J'avais honte parce que j'ai découvert que je n'avais rien à leur dire. Je ne sais pas quoi leur dire. Je me sentais un peu. Je me sentais un peu. Un peu. J'avais honte. J'étais embarrassé. J'ai dit, bon, vous savez quoi? Bon, je ne sais pas. Je voulais vous voir, je voulais vous dire quelque chose, mais bon, maintenant, c'est pas grave. Au moment qu'ils ont voulu se lever pour partir, j'ai dit, écoute, je vais te donner un cadeau pour ta femme. Quel cadeau? Ben, je descends, je cherche. Quel cadeau je vais donner à sa femme? Je cherche autour de moi, je ne trouve rien du tout. Je vais chez Hanania, ce sang, il est là. Je descends chez lui en bas, je dis, Hanania, il y a quelque chose, quoi? Il n'a pas compris ce que je cherche. Je trouve un livre, les Zimirotes de Shabbat. Les chants de Shabbat. C'est un chant, c'est un livre que j'ai apporté avec moi de Chicago il y a un mois. Il y a 2 ans, je n'ai pas été à Chicago. Et il y a un mois, j'étais là-bas. Et avec ce qu'a fait mes amis de son fils, il me l'a donné. En général, c'est des livres que je n'apporte pas avec moi. Je les laisse là-bas. Vous savez, chacun me porte ses livres. Si je garde tous les livres des numéros de Shabbat que j'ai donnés, il faut que j'aurai aujourd'hui une encyclopédie des livres de chants de Shabbat. Je l'ai apporté avec moi. Je l'ai pris, je le montre. Je lui dis, mon ami Alain, tiens, je te le donne. Donne à ta femme. Mais à une condition. Je veux, à partir de la semaine prochaine, on organise un cours de Torah chez toi à la maison, mercredi soir. Et son père, il saute. Il me dit, Rabbi David, est-ce qu'on peut le faire mardi soir? Je dis, non. Mercredi soir. Pourquoi mercredi soir? Je ne sais pas. Et à un moment donné, je prends le livre dans une main et je dis à ce monsieur, on dirait que je fais du commerce avec lui. Est-ce que tu veux ce livre ou pas? Oui. Alors avec ce livre-là, tu vas chanter Shabbat. On ne sait pas chanter Shabbat. On ne sait pas chanter. On n'a pas l'habitude. Ah ben, tu vas chanter Shabbat. Avec ça, tu vas chanter. Ce Shabbat-là, tu vas chanter. Même condition, le cours de Torah mercredi soir. C'est un monsieur qui me respecte. Il est d'accord. Il sort et il se retourne, il me regarde. Je me sentais embarrassé. Qu'est-ce que j'ai fait, David? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ce cinéma? C'est quoi Zimiro Tchaban, cours au mercredi soir, avec mon fils Moshe? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est tout ça? Ben, j'ai rien compris de tout ce que j'ai fait. Pour moi, c'était un mystère. J'ai commencé à réfléchir, mais pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. Vendredi matin, c'est passé mercredi,
Vendredi matin, j'étais avec les rabbanim assis à la yeshiva, en train de discuter. Il y avait trois cadres là. Le téléphone qui sonne. Rabbi David. Oui, c'est moi, c'est Alain. Je suis à l'aéroport, j'attends ma femme. Et j'ai le livre des numéros de Shabbat que je vais lui remettre. Qu'est-ce que je fais à l'aéroport? Il me dit, ben, elle arrive de Bombay. Elle a assisté à tout ce carnage dans cet hôtel. L'histoire, elle est longue. Elle a vu des morts. Et lorsque j'ai rencontré, lorsque je lui dis alors, eh bien, elle me dit, je tenais beaucoup à ce livre. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'avais peur de t'appeler. J'avais peur que tu m'annonces une nouvelle. Et moi, je voulais tenir à ce livre-là. Vous m'avez promis que je le donne à ma femme, je disais à mon beau-père, je disais à ma mère, je disais à tout le monde, et je l'ai même dit à ma femme dans un texto, n'aie pas peur, tu vas être là vendredi soir et on va chanter. Et je vais te donner ce livre de Shabbat. On va chanter. Même si on ne sait pas chanter. Mes amis, alors j'ai rencontré la femme chez moi au bureau. Elle m'a raconté son histoire. C'est de quoi écrire un livre. Plusieurs questions qui se posent. Pourquoi les terroristes ne sont pas montés en haut? Elle me raconte là, madame, lorsqu'elle est arrivée à l'hôtel, elle était en bas au salon, au lobby, pour discuter avec quelqu'un, commerce. À un moment donné, elle lui dit, viens, on va monter en haut. Il y a beaucoup de bruit ici. Le temps qu'ils arrivent en haut, au restaurant, et là-bas ils pouvaient voir le lobby, c'est là qu'ils sont rentrés les touristes, ils ont tué tout le monde. Tout le monde est mort. Les deux Français qui étaient avec elle, dans le groupe, qui étaient en haut, qui sont partis, ils sont descendus en bas, tout ce qu'ils ont pu entendre, ils étaient mitraillés, tués. Comment ces gens ne sont pas montés en haut? Ben parce qu'il y avait quelqu'un qui les a arrêtés. Le cours de mercredi soir, la Torah. Ça veut dire, imaginez-vous que ce monsieur-là, il m'aurait dit, Rabbi David, je ne peux pas. Ben, je n'aurais pas donné le livre. Ben, si je n'aurais pas donné le livre, les conséquences auraient pu être très graves. Lorsqu'on s'engage à respecter la Torah, le respect de la Torah, il peut sauver des gens à 10 000 km. Le monsieur était à Paris. Il a reçu un livre, Zmerot Shel Shabbat. Ce petit livre-là, c'était pour sa femme. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit donne-la à ta femme. C'est-à-dire, j'étais avec la Chalia. Je ne suis pas prophète. Ne croyez pas que je suis un prophète. Non, loin de là. C'est un Chalia. J'étais un messager. Quand je me roule, il m'a désigné pour aider cette femme à travers son mari. Comment? Il m'a mis des paroles dans la bouche. Donne-lui ce livre. Et je vous donne la parole d'honneur. Je ne savais même pas ce que je faisais d'ailleurs. Une fois qu'il est parti, je me suis ressenti. Je me suis senti vraiment, vraiment au plus bas du niveau. J'ai dit, mais David, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es fou, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu donnes un livre de Smerot, un livre de chant de Shabbat à quelqu'un que tu ne connais pas, donne-le à ta femme, et en échange, je veux que tu me donnes un cours de Torah mercredi soir. C'est quoi ça? J'ai rien compris. Je n'ai pas compris mon geste, mais mon geste n'était pas le mien. C'était dirigé, téléguidé, guidé par un Kadosh Baruch Hu. Quand je vois, oui, il peut désigner quelqu'un pour qu'il soit son messager pour sauver quelqu'un d'autre. Il peut faire des choses sans savoir ce qu'il fait. J'étais ignorant. D'ailleurs, vendredi, je n'étais même pas au courant de rien du tout. De rien du tout. Voilà la bataille. Et demain soir, c'est mercredi soir,
Demain soir, ça va être le premier jour qu'on va commencer à étudier. Le premier cours, ça va être demain soir, chez lui à la maison. Alors, vous savez pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour vous dire que avant que Mashiach va venir, avec toutes les crises qu'on peut voir à gauche et à droite, par rapport à ce miracle-là, par rapport à ce monsieur-là qui voit sa femme vivante, cette femme qui rentre, cette femme qui n'espérait pas retourner chez elle, comme elle me raconte, elle pleurait, elle me raconte. C'était un rêve si elle pouvait rentrer chez elle, avec tout ce qu'elle voyait, ce qui se passait en haut, en bas. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous montre des miracles comme ça, si il y a des miracles comme ça, ils nous font oublier la crise. Mais d'autre côté, le problème, il est là. C'est quoi le problème? Il est là. Ce qui s'est passé à Bombay, que Dieu préserve, c'est des choses, malheureusement, on ne sait pas. On ne sait pas, on prie à Hachem que ça ne se passe plus, que ça ne se reproduit plus, que ce soit un cas infinito, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Mes amis, chacun de vous, ici ce soir, il doit s'engager avec les doigts à Kadosh Baruch Hu, de faire une petite mitzvah, de s'avancer vers la Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas savoir ce que la vie il peut nous réserver, mais au moins, il faut savoir qu'il y a Dieu. Cette femme-là, elle m'a dit, Rabbi David, je ne pouvais pas savoir combien, je n'ai pas de mots, combien je dois me dire merci à Kadosh Baruch Hu pour ce qu'il a fait pour moi à Kadosh Baruch Hu. J'ai vu, est-ce que je mérite ce miracle-là? J'ai dit, bien sûr, tu le mérites. Si tu ne mérites pas, il ne l'aurait pas fait pour toi, mais justement, avec ce que le bon Dieu a fait pour toi, il veut nous enseigner comment nous, on doit se comporter, apprendre à le connaître davantage. Et de plus en plus qu'on connaît Kadosh Baruch Hu davantage, on devient un peu plus proche de lui. Et de plus qu'on est proche de lui, on sent sa grandeur, on sent sa miséricorde, et on sent ce qu'il vaut pour nous. Mes amis, je vous bénis à vous tous, vous allez vous lever. Et je vous fais une bracha, que Akadosh Baruch Hu il vous protège, que Akadosh Baruch Hu il vous donne la santé, bracha, l'atzlaha, la panasak, si Dieu veut que les ratzons, et les jeunes filles qui ne sont pas mariées, que Akadosh Baruch Hu leur donne un bon mazak, les ratzons, que Akadosh Baruch Hu il vous donne la santé, la joie, et que Akadosh Baruch Hu il nous apporte à l'Hachem, ma chère Tzidkin, et que cette crise-là. ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה.